Et bonjour à tous, c'est Dim. Ouais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Darkest Dungeon. Alors, pour commencer, je voulais simplement vous dire, parce que là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, Usopp qui est mort dans le premier épisode? Et bah, figurez-vous que j'ai dû recommencer le jeu, tout simplement, parce qu'en fait, la sauvegarde que vous créez avant de démarrer votre première partie, et ça y est, la nuit commence à tomber, en fait, ça va... le nom de la sauvegarde que vous allez mettre, en fait, ça va déterminer le nom de domaine. Donc là, en l'occurrence, dans le premier épisode, il y avait écrit le domaine de Darkest, parce que j'avais écrit Darkest à l'arrache, et quand j'ai voulu me reconnecter pour vous retourner un épisode, ça avait changé, et c'était marqué le domaine de Let's Play. Et je me suis dit, ouais, je vais pas commencer un Let's Play en appelant le truc de manière dégueulasse, donc j'ai préféré recommencer la partie, et j'ai eu de la chance parce que j'ai retrouvé les persos que j'avais eu dans le premier épisode que j'avais tourné avec vous, à savoir le Dodger, donc Usopp en l'occurrence, et Eris. Et donc maintenant j'ai pu enfin nommer le domaine de Dimwe. Voilà, on est à la maison, bienvenue tout le monde. Alors, pour vous présenter un petit peu les personnages, pour vous montrer, parce que vous voyez que le roster a bien évolué, j'ai pu jouer quand même un petit peu de mon côté. Je kiffe ce jeu, donc c'est le jeu où je me permets quand même de jouer un petit peu, et puis j'avais envie de vous montrer, pas l'intégralité parce que j'ai pas encore tout débloqué, mais au moins une partie plus avancée des possibilités vis-à-vis des bâtiments qu'on débloque, puisque pour rappel, au premier épisode, on avait uniquement débloqué la diligence, le cimetière de mémoire et l'abbaye, hein, qui permettait de réduire le stress, tout comme qu'est-ce que j'avais dit, la tanière, la taverne, les gars. On me l'a fait remarquer dans les commentaires, je l'avais vu après avoir tourné la vidéo. Mais quand on tourne, on essaie de faire attention à ce qu'on dit, mais il y a des fois, il y a des choses qui vous échappent. Et voilà, et moi c'est quelque chose qui m'arrive de façon assez régulière. Ce qui fait quand même qu'il y a une petite nuance, c'est-à-dire que dans mes personnages principaux, au niveau de Usopp et Aeris, en fait, quand vous allez les chercher à la diligence, ça peut être un Dodger, mais en fait, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. C'est-à-dire que par exemple, si je vous montre Usopp avec ses pouvoirs de base, donc vous voyez, il y a les deux du milieu et les deux à la fin, j'ai débloqué un autre Dodger, donc que j'ai appelé Joker, je vais vous les présenter ensuite, qui lui, vous voyez, a des compétences, du coup il a le premier débloqué, mais il a le dernier qui est bloqué, voilà. Donc en fait, là, le Usopp que j'ai maintenant est beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus efficace parce que je commence à manier un petit peu les persos. Alors quand je dis manier, c'est à mon niveau, donc c'est-à-dire très très faible encore, mais je commence vite fait à comprendre les possibilités au niveau des fights et les interactions possibles. Et j'ai de la chance parce que pour le moment, vous regarderez mon cimetière, j'ai dû faire peut-être 3 fois, 3-4 donjons. J'ai perdu personne, donc je suis assez fier de moi là-dessus. Et donc, pour reprendre, on a actuellement le roster principal, donc mon roster numéro 1, en l'occurrence Robert Hue, Antonio Banderas, Usopp et Aeris, qui sont actuellement en repos pour faire baisser leur stress, et que j'ai monté, alors bah, vous voyez, Robert Hue niveau 1, Antonio Banderas niveau 2, parce qu'il avait un stress un peu plus bas, du coup j'ai pu l'emmener dans un autre donjon avec d'autres types, et Usopp niveau 1, Aeris niveau 1. Donc, au niveau des compétences, ça n'a pas bougé, j'en ai pas acheté de nouvelles, ni quoi que ce soit. Par contre, malheureusement, au niveau des conditions, j'en ai développé des nouvelles, mais j'ai aussi donc des bonnes, mais aussi des mauvaises. Alors, dans les bonnes, donc j'avais guerrier de lumière, hein, pour rappel, c'était plus 10% en dommage, quand la lumière, donc la torche, est au-dessus de 75. J'ai débloqué destinée, je crois que je l'avais pas, celui-là, hein, je crois que je l'ai eu de mon côté ensuite. Donc, chance de changer un raté en touché, donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai ensuite débloqué lâcheur, donc aucune pénalité de stress en revenant sur vos pas. Alors, je savais pas que en faisant marche arrière, on avait possibilité de choper du stress, mais bon, maintenant on sait. Et j'ai enfin développé profiteur du dédale, qui me donne plus 10% de chance d'exploration dans un type de donjon, en l'occurrence le donjon dédale. Voilà pour faire simple. Donc quoi vous dire d'autre? En fait, j'ai compris également que ces compétences-là étaient des compétences de campement, c'est-à-dire que quand vous allez aller dans un donjon, là en l'occurrence, puisque le premier épisode, j'avais fait un donjon court avec vous, donc on n'avait pas de possibilité de se poser dans un campement, donc de planter sa tente et de se revigorer la nuit, de baisser son stress, etc. Mais en fait, il y a des donjons donc, qui sont plus longs, donc moyen, long, etc. Et à partir du donjon moyen,
Donc vous avez la possibilité donc, de vous poser dans un campement, et ces compétences-là seront des compétences que vous pourrez utiliser quand vous serez justement dans ce campement-là pendant la nuit. Donc c'est quand même des compétences relativement importantes, mais qui vont pas nous intéresser dans l'immédiat, puisque pour le moment je ne fais que des donjons courts, j'essaie de me créer deux rosters, donc deux équipes, une équipe principale, donc composée de Robert Rue jusqu'à Eris, et puis quand je les emmène se reposer, si bien sûr ils survivent, je touche du plaqué, ensuite j'emmènerai mon deuxième roster que je vais vous présenter par la suite. Quoi vous dire d'autre? Au niveau des conditions, donc là, les bonnes et les mauvaises, c'est quand je passe un niveau en fait. Quand je termine un donjon et que je débloque un niveau, mon perso développe de nouvelles conditions qui sont aléatoires, donc je les définis pas. Par contre, j'ai l'impression que en fonction de la manière dont je me comporte dans le donjon, donc si je l'explose, si je nique tout, si je baisse monte pas trop le stress de mes mecs, et si je fais le café au niveau des mobs, j'ai plus de chances d'avoir de conditions positives que négatives. Voilà. Pour continuer, puisque je vais tous vous les présenter, hein. Antonio Banderas, donc vous voyez que lui a quand même fait le café, on est vraiment pas mal, donc on a tel brûlé qu'on avait au début, donc plus 15% de résistance à étourdissement, bon réflexe, plus 2 en vitesse, armurier amateur, moins 20 en coût d'amélioration des armures, puisque comme je vous l'ai dit, on pourra améliorer les armures, et j'ai enfin débloqué le bâtiment pour pouvoir le faire, donc je vous le montrerai ensuite. Donc haine des humains, donc plus 15% de dommages, plus 15% de résistance aux dommages du stress, donc ça c'est pas mal, serein, réduction du stress accru pendant la méditation et le campement, et enfin tacticien du dédale, donc dans les donjons dédale, j'ai plus 15% de dommages. J'avais déjà, je crois, une réputation de tricheur, donc qui m'empêchait de parier en ville, donc de baisser mon stress à un certain endroit, et puis j'ai développé malheureusement la phobie du dédale, donc toujours dans un donjon dédale, moins 20% de résistance aux dommages du stress, ça fait mal au cul. Petite particularité que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avec Robert Rue, comme vous l'aviez vu dans le premier épisode, la seule possibilité que j'avais pour lui faire baisser son stress, c'était de l'emmener dans une abbaye, donc pour prier. Et en fait, comme j'ai débloqué... c'est laquelle? Ouais, voilà, comme j'ai débloqué malheureusement cette condition-là, enfin heureusement, négative, donc après avoir vu en fait des comportements étranges, ne prendra plus part aux activités de prière en ville. Donc je crois que je ne peux plus l'emmener prier, par contre je peux l'emmener dans les tavernes, dans tous les endroits qui me permettent de faire baisser le stress. Donc c'est une mauvaise qui s'est transformée en bonne nouvelle. Et vous voyez qu'ici, au niveau du monde critique, j'ai une baisse, donc quand c'est en rouge, ça veut dire que vous avez grosso modo un malus dessus, et quand c'est en jaune, c'est que vous avez un bonus, hein. Donc là j'ai plus 5% en protection grâce en fait à des bijoux que je lui ai affectés, que j'ai looté en jeu. Voilà, c'est les deux seuls que j'ai looté pour le moment, donc j'ai plus 5% de prot, j'ai moins 2 en critique, et pareil ici j'ai plus 1 en vitalité. C'est vitalité ou vitesse, je sais plus du tout. Mais bon, bref, peu importe. Donc voilà, ensuite, j'ai Usopp. Alors, Usopp qui a changé ses caractéristiques. Je pourrais pas vous les montrer là, mais grosso modo, j'essaie de me construire un roster qui me permet de stun rapidement les ennemis. Et pour ça, en fait, ce Usopp-là a des compétences qui sont super intéressantes. Notamment celle-ci, donc qui est le gaz aveuglant, et qui a 100% de chance d'étourdir en AOE les deux personnages. Vous voyez, hein, c'est les trucs rouges, ça je vous le réexplique pas, hein. je peux plus faire grand chose si vous vous en souvenez pas, je vous l'avais expliqué dans le premier épisode, c'est les deux points, donc les deux ennemis qui sont sur les quatre, les deux derniers, quoi, le troisième et le quatrième, bref. Donc au niveau de ses malus, il a plus 100% de nourriture consommée quand il a un stress au-dessus de 50, et ça c'est bien bien la merde. Et il est enfin enclin à examiner les arts occultes, obscurs, pardon. Donc ça je pense que c'est par exemple quand, vous savez, on a possibilité d'ouvrir des items quand on avance dans le donjon sur la route. Et je pense qu'il y a certains moments où quand on va arriver sur certains items, notamment les arts occultes, il va s'empresser de les ouvrir directement. À mon avis, c'est ça. Je suis pas sûr. Enfin, j'en sais rien. Mais je le vois comme ça. Ensuite, Aeris. Alors, la petite Aeris. Elle a beaucoup de malus, hein. Ça j'avais pas tout regardé dans le détail, mais elle a plus 3% en critique au niveau de la mêlée, donc grosso modo ça ne sert à rien. Par contre au campement ça c'est cool, elle a plus 20% de soins reçus, et enfin elle a la photomanie, c'est-à-dire donc si la lumière, donc les torches sont au-dessus de 75, elle a plus 20% de résistance au dommage du stress, et ça c'est super intéressant. Au niveau des conditions négatives, elle est obsédée par le paranormal.
Alors, je peux pas te dire à quoi ça sert. Elle est changeante, donc moins 5% de résistance à l'affliction. Elle a moins 1 en coup critique, hein, d'où le rouge ici. Et enfin, après avoir eu des comportements étranges, ne prendra plus part aux activités de prière. Voilà. Donc ça, c'est pour le roster principal. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, il y a un petit icône devant le perso. Ça veut dire que là, en l'occurrence, les deux premiers, donc Antonio et Robert U, sont en train de picoler comme des porcos à la taverne, hein, puisque maintenant, on peut mettre Robert U là-dedans. Et il y a toujours ce putain de prêtre qui, en gros, vous bloque un slot et qui se déplace de bâtiment en bâtiment, donc ça fait un petit peu chier. Mais donc voilà, Robert U est en train de baisser son stress à la salle de jeu, et j'ai envoyé Antonio Panderas aux putes, pour faire simple. J'ai également amélioré la taverne, puisque je vais vous montrer les améliorations des bâtiments. Donc les bâtiments sont améliorables grâce aux petits icônes, vous savez, les bustes, les portraits, etc., les parchemins qu'on débloque à la fin d'un donjon. Et c'est grosso modo pour moi le plus intéressant et surtout le plus important. Parce que plus je vais améliorer ça rapidement, mes personnages sont des pions, ils sont à même de mourir du jour au lendemain sur une erreur ou sur de la malchance, donc je peux les perdre à tout moment. Par contre, ces améliorations là sont fixes, donc voilà. Donc j'ai amélioré grosso modo un peu le bordel, de manière à ce que Antonio puisse se régénérer plus rapidement. Donc voilà, grosso modo c'est ça, hein. Les améliorations des tavernes, c'est je débloque un, donc j'augmente la réduction du stress. Voilà, et c'est pareil pour les jeux d'argent et pour le bordel. Quoi vous dire d'autre, j'ai débloqué donc deux nouveaux bâtiments, notamment le sanatorium, il me semble pas l'avoir eu, et qui me permet de traiter les maladies mentales. C'est-à-dire que, par exemple, alors, eux sont déjà affectés, je voulais vous présenter le boucher après, et c'est un peu une partie explicative, un let's play qui va être, je pense, un petit peu plus long. On ira se faire un donjon, bien sûr, après, mais je voulais quand même vous présenter tous les persos. Donc, par exemple, le boucher, on va le laisser là. On va regarder ses conditions, et je vais vous l'expliquer ensuite. Ce personnage est un peu atypique, c'est le, comment ils appellent ça, le Bounty Hunter, hein, le chasseur de primes. Voilà, c'est mis là. En gros, il a pas mal de compétences positives, il en a deux négatives, notamment curieux, donc il est assoiffé de savoir, alors je sais pas en l'occurrence ce que ça fera plus tard, et moins 20% de reçu en soins. Si j'ai envie de faire disparaître ça, en fait je l'emmène au sanatorium, et là vous voyez, vous retrouvez ces deux composantes négatives, et pour le moment je peux pas, en fait on peut les faire disparaître, tout simplement ici. Pour le moment je peux pas parce que j'ai pas encore amélioré le sanatorium, ah quoi que si. Bah attends. Je l'améliorais de 1 pour réduire le coût de traitement de 10%, et l'infirmerie, ah ouais, augmente le nombre d'emplacements. Je peux, d'accord, mais ça coûte 1300, ça coûte la peau du cul en or, et vous voyez qu'on est vraiment pas très riche en ce moment, donc on va s'abstenir pour le moment. Mais voilà, vous présentez le boucher, alors je l'ai appelé comme ça parce que, tu sais, ça faisait un peu exécuteur, en plus il est à la hache, tu sais, le coupeur de tête là. Je sais plus c'est quoi l'histoire avec le pain, ouais, faut pas retourner le pain sur la table parce que le pain est destiné normalement à celui qui va être exécuté. Je sais plus c'est quoi l'histoire, enfin pour ceux qui connaissent. Donc j'ai le boucher. Alors le boucher qu'on va utiliser, hein, dans cette partie-là, a la particularité de pouvoir marquer les ennemis en face. Donc à partir du moment où on marque un ennemi, ensuite, une fois marqué, donc c'est un tour qu'on passe, hein, juste pour marquer un ennemi, il va pouvoir utiliser sa hache. Et quand il utilise sa hache sur des monstres marqués, comme vous le voyez là, ça augmente de 100% ses dommages. Donc c'est super intéressant. Alors j'ai pas trop compris encore les autres. J'essaie de comprendre par moi-même sans trop regarder sur les forums, ni les rosters les meilleurs, etc. J'essaie de faire le truc à ma sauce. Donc voilà, mais je vais vous le montrer ensuite. J'ai un nouveau personnage, donc un nouveau, comment ils appellent ça, le Highwayman, comment on dit en français, le chercheur bandit, donc j'en ai un nouveau, je l'ai appelé Billy the Kid, enfin The Kid tout simplement. J'ai également chopé donc le Joker, donc le Usopp numéro 2, et j'ai, alors ça c'est bien, c'est l'Oculiste, personnage que je n'avais encore jamais eu, qui est en gros un mix entre un Vesla, je crois que c'est comme ça on appelle les Vesla. Vesla, c'est Aeris en fait, les soigneurs. Qui est un mix entre un Vesla et un Bounty Hunter, dans le sens où en fait il a une compétence. Alors c'est laquelle? Ah, il a pas mon oculiste, la compétence de soins? Si, voilà, reconstruction étrange. En fait, il est moins efficace en soins qu'un Vesla, que Aeris par exemple, qui est vraiment dédié à ça.
Donc vous voyez, en fait, il peut soigner entre 0 et 10, mais vous pouvez très bien soigner 0 comme soigner 10. Donc c'est plus ou moins aléatoire. Par contre, l'avantage qu'a l'oculiste, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le roster du Bounty Hunter, donc du boucher, qui marche avec les marques, c'est que lui-même, l'oculiste, a la possibilité de marquer les cibles. Donc vous voyez, ces sortilèges de vulnérabilité, je ne l'ai jamais encore utilisé. D'accord ? J'ai lu les compétences, je me suis dit qu'à mon avis ça devait passer. Je pense que ça passera. Donc on va tester ça ensemble et j'espère qu'ils vont survivre. Parce que des oculistes, j'en ai pas 10 milliards, j'ai que lui. J'ai ensuite débloqué, ils appellent ça un Hélion, donc un chercheur troublion, qui est en gros un personnage au corps à corps, qui est apparemment l'un des plus efficaces qu'on va essayer. Alors je connais pas trop encore ses compétences. J'ai débloqué également, alors comment je... Ah oui, je les ai pas nommés encore. Ah tiens, lui, j'ai oublié de le nommer. Donc un autre Crusader, donc un croisé. Que j'ai pas nommé d'ailleurs, j'ai oublié de le faire. Et enfin, j'ai débloqué. Comment ils appellent ça en anglais ? Merde. C'est le lépreux en français, donc c'est marqué là. Leper, je crois que c'est le leper en anglais. Qui est grosso modo, d'après ce que j'ai plus ou moins compris, un gars au cac. Ouais, alors je l'ai jamais encore, donc je l'ai jamais essayé. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait quand même beaucoup plus de PV qu'un croisé. Alors. Peut-être que c'est spécifique à ce personnage-là, puisque les compétences, les points de... Comment on appelle ça ? Les aptitudes, etc. varient de perso en perso, même si c'est les mêmes races. Mais en tout cas, je l'ai appelé V, bah, V pour Vendetta. Voilà, je voulais l'appeler le masque de fer, tu sais, référence au film avec... comment il s'appelle ? Avec, je crois que c'est DiCaprio qui joue dedans, la vraie histoire, on sait pas qui est vraiment le masque de fer. Dans le film, je crois que c'est le frère ou je sais plus ou le fils illégitime de Louis XIV, mais dans la réalité des faits, ça n'a pas encore été prouvé. Donc je voulais me baser sur un truc fiable, V pour Vendetta, ça me va parfaitement. Donc on va rester là-dessus, et j'ai normalement... Ah, j'ai perdu un personnage. J'ai perdu un personnage. Ouais, je l'ai pas pris. Je crois que ma garnison là, donc le nombre de personnages que j'ai, ouais, est pleine. Voilà. Donc j'avais lui. C'est un chercheur de pilleurs de tombes. Donc en anglais, c'est Grave. Grave, je sais plus quoi. Que je peux pas prendre. Et que j'en avais pris un, mais je l'ai vendu pour pouvoir prendre le V de Vendetta. Et que j'avais appelé Sharon Stone. Référence au film Mort ou Vif. Pour ceux qui l'ont vu avec DiCaprio. D'ailleurs, dans ce film-là, j'ai appris que, en fait, puisque DiCaprio jouait... je sais plus s'il jouait Billy the Kid, je suis pas sûr. Mais, de mémoire, oui, mais je suis vraiment pas sûr. Mais en fait, elle avait limite... Parce qu'il voulait pas prendre DiCaprio pour jouer dans le film, et c'est elle qui avait insisté. Et Sharon Stone, à l'époque, quand elle a tourné le film, elle venait de finir de tourner Basic Instinct. Donc, alors ça, je vous invente rien, c'est sur Wikipédia ou sur Allociné que j'ai lu ça. Mais en gros, sa cote de popularité était au sommet, donc elle pouvait imposer les choses. Et ceux qui ont réalisé le film lui ont directement proposé d'être producteur exécutif. Et donc, elle a insisté pour avoir DiCaprio dans le film. Je vous raconte ça, vous en battez les couilles, hein, c'est pas grave, je dis ce que je veux, on est en France, merde. Et en fait, elle était même prête à payer 50% du salaire de DiCaprio pour qu'il le prenne dans le film. Voilà, pour l'anecdote. Alors, donc, au niveau des bâtiments, donc je vous ai présenté quoi ? Donc la taverne, vous connaissez, la diligence aussi, le sanatorium, maintenant c'est fait, l'abbaye aussi. J'ai débloqué également la guilde. Voilà. PID a publié une nouvelle annonce, mais bah les couilles mon pote. Alors la guilde en fait va vous permettre, je le fais en même temps que vous parce que je m'en souviens pas, d'améliorer les compétences de vos personnages. Et grosso modo, alors ça coûte encore un petit peu du pognon, et dans les améliorations de la guilde en elle-même, vous avez deux choses. Vous avez soit permettre de débloquer ces compétences-là, donc j'avais débloqué le niveau 1, et le deuxième, c'est régime de formation, donc en gros, vous réduisez le coût d'amélioration. Donc je vais essayer de monter ça au maximum avant de passer sur, de manière à payer le moins possible, le moins cher possible, les améliorations. Donc je vais me focaliser pour le moment sur ce truc-là, sauf si je commence à... Excusez-moi, petit rototo. À avoir des soucis en donjon, et dans ces cas-là, peut-être que je commencerai à débloquer des compétences. J'en ai acheté une seule pour le moment, et je l'ai acheté à Aeris. J'ai amélioré son soin. Donc, qui est passé, je crois, de... parce qu'il y avait un... C'était 3-5, l'échelle, et c'est passé à 4-6. Voilà. Quand ça soigne de 6, je peux vous dire que ça fait la différence. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? On est bon ? Le forgeron ?
pour le forgeron, je t'apprends rien, Michel. Hein, tu glisses ton personnage dedans, tu regardes ses armes, tu chopes les améliorations et t'améliores les armes. Voilà, je l'ai pas fait pour le moment. Ça coûte du pognon. Le pognon, on en a très peu. Donc voilà. Alors, je me frotte les mains. On va se lancer. Alors, j'espère qu'on va survivre. Alors, bon, c'est pas grave si les gens meurent. C'est le roster numéro 2. Mais j'aimerais pas perdre le boucher. Franchement, le boucher, le kid et même Joker, ça me ferait chier de les perdre. D'ailleurs, je suis en train de regarder Joker s'il avait chance d'étourdir. Ouais, il l'a. Bon, on va faire un test. Sachant qu'ils ont déjà quand même un petit peu de stress. Donc, j'espère que les copains vont s'en sortir. Donc, on va y aller tout de suite. Et, ouh, attends. Niveau 2 en ruine. D'accord. Ok, on va toujours se faire un petit donjon à la con, donc vous voyez qu'il y a écrit ici, attends. Oh le bâtard de chien de la casse. Ah c'est pas possible Michel. Oh putain, parce qu'en fait mes donjons étaient niveau 1. Et là ils sont toujours niveau 1, par contre avant vous voyez au niveau de la durée on était en cours. Et là maintenant on passe en moyen, et passer en moyen avec déjà avec des mecs qui sont déjà stressés comme le kid et le boucher, c'est pas le meilleur des trucs. Donc ça veut dire que je peux pas XP comme un porco les premiers niveaux, qui à un moment faut que je j'évolue. Mais ça veut dire que, imagine, je perds tous mes mecs. Est-ce que je redescends en dessous comment ça se passe Michel? Parce que là on est en cours, champion, vétéran, moyen, apprenti. Attends, on a débloqué ce bosquet là. Donc cours, apprenti, escarmouche. Ouais, on va faire ça, tiens, bah c'est un nouveau. On l'a jamais fait celui-là. Forgez-vous un chemin jusqu'au boss. Putain, il y a un boss. Oh merde. Attends, objectif, compléter 100% des salles de combat. Alors qu'ici c'est tuer un apprenti nécromancien. Compléter 100% des salles. Ok, ok, ok. Bon, alors, on est parti. Donc, on balance le poteau kid en deuxième position, le Joker en troisième, et enfin Akinator qui va nous servir de soigneur. Donc on va voir ce qu'il vaut, on va voir s'il est efficace ou pas. Et on va tout de suite aller s'acheter des provisions avant de partir. Donc on va prendre le max de bouffe, on va minimum prendre, ah tiens ça, c'est 12 max le stack. On va prendre 2 pelles, on va prendre 3 bandages, on va prendre 10 torches. Putain, j'ai claqué pas mal de pognon là. Ça, c'est quoi ça? Ouais, d'accord. Ok, et on est parti. Bon, quand je joue tout seul, je m'en sors. Alors, quand je joue avec vous, les copains, j'espère que je m'en sortirai aussi, parce que je l'aurai vraiment, vraiment mauvaise si je perds mes mecs. Allez, on est parti. Donc, on va regarder la taille du donjon, qui est relativement petit. De toute façon, je dois faire 100% des salles, donc j'ai pas trop le choix. Il faut que je parte vers le bas. Allez. Ah bah, eh super, hein, on commence super bien. Qu'est-ce que ça m'a fait comme malus? Que dalle? Bon. Alors on progresse, il y a un piège. Non, c'est pas un piège, c'est un truc à ouvrir juste en face. On va l'ouvrir avec The Kid. Rien à offrir. Ok Michel, ça fait plaisir, merci d'être passé. Arrivé à la première salle. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a un fight? Pas de fight. Plutôt tranquille. On continue la progression. On va prendre The Kid, on va essayer d'ouvrir ça. Pas sans risque de contamination, merde. Attends mais les gars, j'ai l'impression que ça leur fait rien. Bon, parce que normalement tu vois, je sais pas quel état ça a dû provoquer, mais normalement il y aurait écrit résiste, vu que là apparemment ça lui a rien fait. Bon, oh putain, fight, oh y'a un gros. Y'a un gros, alors Akinator. Tiens bon, on va tester. On va tester, donc marquer la cible. D'accord. Donc lui il est marqué, et lui normalement si j'utilise la hache, ouf, ah ouais, taper à 12 c'est pas mal. C'est pas mal, mais le mec est costaud. Oh putain, oh là là, le stress va monter, oh là 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 là, ça commence très très mal. On va essayer d'étourdir les deux derniers. Ok, il y en a un qui a été étourdi. Aïe 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 aïe. C'est pas bien parti du tout. J'ai pas le choix, hein, faut que je balance ça. Ok, alors chance d'étourdir. Est-ce que ça vaut le coup d'en balancer un? Alors attends. Poison. Alors en fait, si vous cliquez sur la compétence que vous souhaitez lancer et que vous laissez la souris sur le personnage en face, vous avez écrit en bas en jaune en fait les dégâts que ça va provoquer, chance de toucher, chance de critique. Donc là, chance de toucher, c'est pas énorme. Hein. En plus, je fais dégâts de 1-1.
Ici j'ai poison. Alors attends, par contre, ouais, il y a du poison pendant 3 tours. Ici, dégâts 2-4, chance de toucher 80. Ça vaut peut-être le coup. Ouais, je vais essayer de les réétourdir. Oh putain, ils ont résisté tous les deux, donc un coup dans le Zef. Fuck. Aïe aïe aïe. Akinator commence à saigner. Oh là là, dégâts de zone, faut vite que je les éclate, c'est con. C'est en train de me mettre la mine. Donc, lui, on continue. Ça, on n'a pas le choix, c'est lui qui s'en occupe. Ensuite. Voilà, on a éliminé le plus gros. Et du coup, les deux derrière se rapprochent. Par contre, j'ai pas encore tapé avec Akinator. On va faire un soin et il va se soigner lui-même. Plus 5. Ah merde! Ah, j'ai oublié de lui mettre un bandage. Ouh, le roster. Ouh là là, les amis. C'est pas bon, pas bon du tout. On va éliminer le premier. Et là, on a quoi? Dégâts pendant 3 tours. Ouais, on va balancer ça. Donc ça, il est empoisonné. Aïe, Akinator prend cher. Alors, attends. Déjà, on va lui mettre un bandage. Et ensuite, on va soigner... Bon, on va soigner... Ouh, 10. Ah ouais, là, ça fait plaisir, par contre. On a eu le meilleur G. Putain, il m'a refait perdre 4 dans la foulée, plus 1 de saignement, ça fait chier. Ça fait chier, mais on va arrêter le saignement tout de suite. Et on va balancer. Le premier, il tape à combien? 5-11. Le deuxième, il tape à 2-5. Le troisième, il tape à 4-9. Donc on va balancer le premier. Est-ce qu'il touche? J'ai pas fait gaffe. Ouais, il touche les deux premiers, parfait. Allez, nickel. Donc on récupère tout, on a gagné que dalle en thunes. De merde. Heureusement, on a pris quand même pas mal de bouffe. Donc on va essayer d'anticiper. 2, 3. Ensuite, 1, 2. 1, 2. Je vais peut-être en mettre 3, ouais. Voilà. On a quand même claqué énormément de trucs. Heureusement, le donjon est pas très grand. On va ouvrir ça. Yes, j'ai trouvé du trésor, donc dont une Onyx 500. Alors je sais pas si j'ai débloqué le marché pour vendre des trucs, je sais pas si on peut les vendre, je suis toujours dans l'incertitude vis-à-vis de ça. Tu trouves la salle, Michel, ou... Attends, déjà les torches, ça devient critique. Hop, et hop. Voilà, il fait de nouveaux jours. Les gars, ah, merci. Ouh, gros fight. Ah, par contre, ils sont surpris, donc c'est moi qui vais commencer à jouer. Alors, attends. Ça serait bien que je commence par... je peux pas étourdir les mecs. Monstre étourdi, plus 33% de dommages. Marquer la cible. J'aurais bien marqué le dernier. Mais je suis pas sûr de pouvoir le toucher, j'ai pas fait gaffe. Voilà, donc là, de toute manière, tout le monde va attaquer, donc ça, c'est plutôt cool. Oh, putain, mais ça, c'est ouf, ça. D'ailleurs, je pense... J'ai l'impression qu'il... Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'ai pas eu le bon. J'ai pas eu le bon. Bon, on va étourdir les deux derniers, en espérant que ça marche. Yes! Donc on va se prendre une frappe que du premier. Ok, alors toi, on va arrêter le saignement tout de suite. Ouais, non, si pourtant il est dans les meilleures positions, mais en fait, il faudrait qu'il soit 4 pour que je puisse taper les deux premiers. Donc là, je peux taper vraiment que... Taper les trois premiers, pardon. Là, je peux taper que les deux premiers. J'hésite. Allez, 4, c'est pas grave. On balance. Donc lui, il est marqué. Allez, on balance la hache. Ouh, 19, putain, ça fait mal, hein. Chance d'étourdir. Donc ils ont une amélioration normalement de 20%. Est-ce que ça vaut le coup d'en rebalancer un? Je pense que oui. Je pense que oui, quoique... Quoique... Si, on balance. Yes! Et ensuite, on va balancer un soin sur... Yes! Pas mal, hein, ce Akinator, hein. Franchement, le cul... Oh non, mais ça... Oh là 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 là. Oh là là, il a quasiment plus de vie, mon Crusader, mais ça, c'est ouf, ça. Ah, Akinator rejoue, donc ça, c'est cool. 4. Bon, c'est pas terrible. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il frappe, ce salopard? En plus, il inflige saignement, ce connard. Alors, ils sont à combien en bonus? Plus 40% de résistance. Est-ce que ça vaut le coup d'en rebalancer un? Ouais, on va en rebalancer un. Il a pas de soins.
Non, il en a pas. Ouais, bah ouais, ça faisait quasiment une chance sur deux. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de le balancer? 2-5. Il a 11 points de vie. Et là, il tape à combien si je fais ici? Entre 5 et 11. Ouais, si je tente le one shot, après je vais jouer avec l'autre derrière, donc c'est peut-être pas utile. Saignement pendant 2 tours si je peux taper avec le premier. Allez, on balance ça. Voilà, alors par contre, maintenant faut que tu touches Michel. Ouf. Yes, et vous voyez, le critique baisse mon stress. De la même manière, quand je me prends un critique dans la gueule, vous avez vu, mon stress monte, mais d'une manière considérable. Et en plus, il a la possibilité de rejouer, donc ça c'est parfait. On en a éliminé 2. Alors, faut éviter de faire comme j'avais fait au premier épisode, c'est-à-dire que, par exemple, quand il reste un seul personnage, d'en profiter pour remettre tout le monde en vie, les gars n'apprécient pas. Donc vaut mieux le tuer tout de suite, parce que sinon votre stress va monter constamment, et ça c'est vraiment pas bon pour vous. C'est vraiment le stress qui va déterminer le temps que vous aurez la possibilité de passer dans le donjon, donc faut vraiment faire gaffe à ça. Ok, parfait. Parfait, parfait. Donc toi, on va en profiter quand même pour soigner... mon héros principal, 3 c'est pas terrible. On a un dégât de saignement. On va quand même le terminer, donc. On s'en est sorti. On a complété le donjon. Eh, je pense que c'est le bon moment pour se tirer. Parce que vraiment, là il faudrait que je repasse dans les salles derrière, que je refasse tout le tour pour continuer. On a la possibilité de se tirer, on se tire les copains. Yes! Oh! Alors on a vraiment pas beaucoup gagné de thunes, on a d'ailleurs j'ai l'impression plus dépensé, ah quoique répond qu'on pense de quête, 3000 plus les trésors récoltés 1400, 4000 et quelques, ouais on est limite positif. Alors, donc on a Akinator qui a monté d'un niveau et on a The Kid qui a grimpé d'un niveau et vous voyez c'est là où j'étais, oh putain fuck, oh putain, alors ça veut... Après avoir vu des comportements, ne prendra... Ah ouais, donc en gros, mes rosters, il n'y a plus personne qui va les prier, quoi. Et prêt au dépourvu, moins 4 vitesses, moins 5 esquives au premier tour. Ou vitalité. Non, c'est vitesse, hein, je pense. Oh, ah ouais, ça c'est chaud. Ah ouais, Akinator, ça c'est chaud, mon pote. Donc, bon, bah écoutez, on a terminé un donjon. Robertus pose des questions. Alors, Michel, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu te poses des questions? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as toujours tes trucs à la con. Si j'ai 5000 de thunes, j'ai quand même gagné un petit peu. Et surtout j'ai débloqué des petits points ici. Bah écoutez, je vais continuer ça de mon côté. Et puis bah on se retrouve pour un prochain épisode en espérant que celui-ci vous a plu. Et bien sûr si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire pour soutenir la famille. Et pour le reste, voire à vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné et que vous découvrez tout juste la chaîne. Attention aux commentaires négatifs, je suis facilement banner étant ancien d'IRC. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne journée, ciao tout le monde. Ou une bonne soirée, hein. YouTube c'est intemporel mon pote. Allez tchuss !